Cameroun, comme la plupart des États français, a été de ce que j'appellerais une sorte de jacobinisme français, c'est-à-dire un État centralisateur qui contrôle tout et qui ne veut rien, et qui ne veut rien lâcher. Et notre bureaucratie, qui est essentiellement lourde et à la fois tatillonne, n'a pas beaucoup aidé à ce que nos chantiers puissent avancer. Une des raisons de cette situation, c'est simplement parce que c'est le règne de l'impunité qui a été consacré dans notre pays, où en calculant, il s'avère que pour construire 1 km d'autoroute, il vous faut à peu près 1 an. Vous voyez qu'à cette allure-là, pour finir l'autoroute, par exemple, de la Yaoundé, on sera mort, que l'autoroute ne sera jamais terminée. Et dans cette impunité-là qui a été consacrée, où on a l'impression que c'est le mas-là, où chacun fait ce qu'il veut, et bien n'est pas de nature à permettre au chantier d'avancer sereinement et de permettre à ce que les fruits tiennent la promesse de fleurs. Donc la conséquence de cette situation, c'est que finalement, ceux qui sont aux affaires et qui ont la charge de mener à bien les chantiers, qui très souvent, la plupart du temps, ont les moyens pour les réaliser, mais sont détournés à d'autres. Et comme ils ne sont pas sanctionnés, punis, et bien ceux qui arrivent après font la même chose et on se retrouve dans un éternel recommencement où finalement rien n'avance et personne ne fait rien et on ne fait rien à personne. Ce qu'ils gênent le plus d'ailleurs dans nos ménages, c'est que dans les conditions d'accès à l'eau potable. Moi, je voulais demander qu'il faut au maximum simplifier les procédures, quel que soit le mécanisme qu'on va mettre sur pied. Donc, quand on va exiger par exemple aux gens de produire un titre qu'ils appellent certificat de propriété ou encore titre de bail, eh bien, c'est une circonstance aggravante qui réduit au maximum les chances de se faire brancher. Parce que si il faut, ça veut dire qu'un locataire, par exemple, n'a pas le droit de demander un branchement à Camoteur parce qu'il n'a pas le titre foncier. Et donc, il a promis qu'ils allaient alléger au maximum, un peu comme Enéo a fait, parce qu'il faut faciliter l'accès à l'eau potable. L'eau, c'est la vie. Et donc, les conditions de l'eau comme ça ne permettent pas aux populations qui ont besoin d'avoir un branchement de le faire en toute sérénité. Et j'espère que les engagements qui ont été pris le mercredi dernier par la direction, le top management de Camwater sera traduit en acte, c'est qu'il faut faciliter la terre à la terre. Et puis, il y a un autre principe qui est grave, c'est qu'il faut détribaliser l'accès à la terre. Il n'est pas acceptable que vous êtes, parce que vous êtes à Douala, par exemple, moi qui suis né en Banga et que je ne puisse pas, qui est quasiment vécu là-bas, que je puisse avoir accès à une terre là-bas parce que je ne suis pas forcément ballon, par exemple. Et que vous qui êtes à Douala, vous ne pouvez pas avoir accès à une terre, vous qui avez peut-être fait vos études c'est pas moi, dans le nord, dans le centre, quand vous dites que vous n'êtes pas autochtone et qu'on vous exclut de cette région, alors que parfois, toute votre vie, vous l'avez fait là-bas. Donc il faut qu'on soit capable de détribaliser l'accès à la terre parce que la terre est à la fois une ressource, un capital social, un capital économique et un capital politique qu'il faut pouvoir tout mettre ensemble pour permettre pour que le vivre ensemble qui est emprunté puisse se traduire en action.